Merci. Nous aurons en face de vous quatre journalistes pour poser les questions selon les thématiques qui seront développées. Khalid Diam, Suzanne Batista, Ndiémé Faye et Youssouf Goyon. Monsieur Ali Mbouyaï de la coalition Ali Mbouyaï 2024, Monsieur Orange de la Mimbo, Monsieur Dikéfal de la coalition Dikéfal 2024, et Madame Sakine Diallo, représentante de Monsieur Mamadou Lamine Diallo de la coalition MLD. Représentant de Monsieur Thierno Alassane Sall de la République des Valeurs. Monsieur Babacar Mar, représentant de Monsieur Idrissa Seck de Réuni Didi 2024. Monsieur Balagaï, représentant de Monsieur Bakadjiré Fall de la coalition Bakadjiré Fall président. Monsieur Omar Nao, représentant de Monsieur Boubacar Kamara, parti de la construction et de la solidarité, Djemou Tabar. Monsieur Abdoulaye Faye, représentant de Monsieur Ahmed Ba de la coalition Bélon Bokiaka. Monsieur Avi Seck, représentant de Monsieur Aliou Momodoudia du Parti de l'Unité du Rassemblement Pur. Monsieur Aliou Diallo, représentant de Monsieur Bassirou Diomaye Faye de la coalition Diomaye président. Monsieur Alpha Yorogué, qui représente la coalition Thierno Alassane Sall TAS 2024, et Monsieur Mamar Ndaou, qui représente la coalition du président Boubacar Kamara. Merci de nous avoir rejoints. Et je voulais juste demander aux candidats, s'il vous plaît, je sais que vous avez beaucoup de choses à dire, mais si vous pouvez prendre 3 minutes pour les réponses. Ce serait bien parce que, comme vous le savez, c'est le ramadan. L'après-midi n'est pas évident et vous êtes au nombre de 11. Merci. Monsieur Boyan, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup, Yacine. Donc, merci également aux représentants des différents candidats d'avoir répondu présent à cette activité très importante, comme l'a dit le professeur Sen. Donc, pour le premier point, c'est la préoccupation, c'est surtout par rapport à la conciliation du besoin en énergie du Sénégal et l'apport, la contribution du Sénégal dans la réduction globalement du réchauffement climatique. À la COP dernière, à la COP 28, pour la première fois, on a parlé de transition, de sortie des énergies fossiles. Comment vous, élus, vous comptez matérialiser tout cela dans un pays qui est en pleine exploitation de son pétrole et de son gaz, des ressources naturelles dont on a besoin, mais qui pollue énormément? Bonsoir tout le monde. Je vous remercie donc de cette invitation qui est vraiment sur un thème qui est d'importance mondiale. Je remercie donc tous les membres représentants des autres candidats invités. Je dirais tout simplement, et les étudiants, je vois qu'il y a pas mal d'étudiants dans la salle, je pense que l'enjeu de la formation est quand même très très important pour ces questions-là, les questions du futur. Alors je dirais tout simplement en introduction, 3 choses. Le candidat Mamadou Lamine Diallo, comme vous le savez, son programme est basé essentiellement sur l'industrialisation. L'industrialisation est de développement des pôles régionaux, avoir des usines dans différentes zones. Par exemple, Tambacounda pour la sidérurgie et donc les pôles régionaux de développement et l'industrialisation, c'est vraiment l'ADN de son programme. Alors, qui dit industrialisation, dit évidemment la participation, forte participation aux questions donc de réchauffement climatique. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, donc, du candidat, c'est de dire qu'aujourd'hui, nous avons le gaz qui a été mentionné. Nous n'avons pas encore le gaz, mais nous aurons le gaz, je pense, dans quelques années. Et que nous allons utiliser le gaz dans le mix énergétique. Je pense qu'il faut être clair sur ce point, parce que nous ne sommes pas les principaux contributeurs aussi au réchauffement climatique et que, de toute façon, c'est une énergie de transition. À la COP 28, le gaz a été consacré comme une énergie de transition. Donc, nous allons utiliser le gaz dans le mix énergétique. Le troisième point qui me semble important dans le programme du candidat, c'est de dire que nous allons contribuer fortement à la recherche scientifique sur l'énergie solaire. Parce qu'aujourd'hui, l'énergie solaire, aujourd'hui, le taux doit passer de 30 à 40% pour le Sénégal. Et c'est déjà traduit d'ailleurs dans les textes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'énergie solaire,
il y a des enjeux de baisse des coûts et des enjeux de stockage, donc des enjeux de recherche et développement, recherche scientifique. Donc, nous allons contribuer à ces enjeux-là de recherche scientifique et développement pour l'énergie solaire. Merci. Merci, merci beaucoup, madame. C'est Fatouna Ifaï. Je représente le candidat président Amouba, qui est le candidat fédérateur pour le Sénégal. Stable, prospère et en sécurité, qui a bâti un programme en paix vers une prospérité partagée autour de trois axes. Le premier axe de ce programme-là porte sur l'axe accélérer la transformation structurelle de l'économie, un processus que nous avons engagé dans le cadre du plan Sénégal émergent. Et le deuxième axe met l'accent sur la richesse humaine, parce que nous pensons que le capital humain représente un élément fondamental dans tout ce que nous voulons bâtir pour ce pays. Et réduire le rendez-vous qui n'est plus 2035, mais 2029 pour un Sénégal émergent avec une prospérité partagée. Et le troisième axe de ce programme ambitieux pour le Sénégal est axé sur les défis de la paix véritable, véritablement de la paix, pour une gouvernance et une diplomatie orientée, stabilité et sécurité. Ce programme, comme dans son axe 2 qui met l'accent sur le capital humain, la richesse humaine, donne une place importante aux questions liées à la transition énergétique, liées au changement climatique. Parce que ce programme a été bâti sur les acquis du plan Sénégal émergent, qui a défini le cap avec l'horizon 2035, mais aussi qui a permis de réaliser énormément de choses dans le secteur de l'énergie. Avant 2012, nous avons une faible contribution du mix énergétique dans notre capital énergie. Mais aujourd'hui, le Sénégal est à 30% de notre production énergétique qui provient du mix grâce à des investissements très lourds en termes d'énergie solaire, énergie éolienne, mais en termes de cadre institutionnel, parce que d'abord, il fallait un cadre institutionnel capable de porter cette vision. Et le cadre institutionnel partait d'abord sur sortir le ministère en charge de l'environnement et l'écosystème pour l'orienter véritablement vers le développement durable, qui n'était qu'une étape aujourd'hui pour aller vers une transition écologique. Mais ce cadre institutionnel est supporté par un cadre juridique, parce qu'il fallait des réformes. Il fallait des réformes sur ce plan-là, en termes de révision des codes, en termes d'autres textes de loi et de règlements, pour permettre d'accompagner ce cadre juridique. Et aujourd'hui, l'horizon, c'est d'arriver à 50% de notre production énergétique en 2035 et d'aller vers la neutralité carbone. Et ça, ça s'inscrit dans le programme En paix vers une prospérité partagée, avec des projets et programmes sur tous les secteurs, notamment le secteur des transports, le secteur de la foresterie, le secteur industriel, pour permettre au Sénégal non seulement d'exploiter ses ressources, mais de rester dans sa trajectoire avec une pollution très faible. Et cette position, tout à l'heure on a rappelé de la COP28, c'est la position du Sénégal. Oui, il nous faut aller vers une transition, mais une transition juste et équitable. Parce que nous avons des besoins qui sont réels. Nous avons plus de 350 millions d'Africains qui n'ont pas l'accès à l'électricité. Des millions de Sénégalais, malgré tous les efforts qui ont été faits, donc ont des problèmes d'accès à l'électricité. Pour résoudre ce gap, il nous faut exploiter nos ressources, mais tout en développant les mix comme nous l'avons fait. Et aujourd'hui, nous sommes à 30% pour aller à 50% en 2035. Merci beaucoup. Merci madame. Il me sera difficile d'apporter des réponses politiques à ces politiques. Je m'appelle d'abord Abdulaziz Gueye, donc je représente le président Aly Nguy Ndiaye. Pour répondre à cette question qui est quand même qui semble simple, de prime abord, et assez complexe, je vais diviser ça en deux parties. D'abord, je vais vous parler de ce que nous allons faire
et ensuite de ce que nous n'avons pas fait. Vous savez que notre programme est bâti sur la fourniture d'emplois à la jeunesse sénégalaise. Nous considérons que le défi que notre génération a relevé est un défi pour fournir de l'emploi à toute la jeunesse sénégalaise. Fournir de l'emploi à ces jeunes, résoudre cette équation, c'est l'ingénieur qui parle, résoudre l'équation de l'emploi pour les jeunes, nous amène nécessairement vers l'utilisation, vers le secteur agricole. Et c'est pourquoi le président de la République a proposé un programme qui, dans les 5 premières années, nous permet d'atteindre la souveraineté alimentaire. Cette souveraineté alimentaire est une étape nécessaire vers une souveraineté économique, j'y reviendrai. Donc, bâtir un programme pour atteindre la souveraineté alimentaire en 5 ans requiert l'aménagement, l'équipement et l'exploitation d'environ 100 000 hectares de terre par an pendant ces 5 premières années. Et qui dit aménagement, exploitation et utilisation de ces terres dit effectivement pour le pays sahélien où les isolettes sont compliquées en millimètres, dit utilisation de l'eau, des eaux de surface là où c'est disponible, dans les différents bassins existants, et mais pour la plupart, faire appel à nos ressources en eau souterraines. Et évidemment, pour pouvoir exploiter ces ressources en eau, il faut une capacité énergétique pour pouvoir extraire cette eau du sol. Donc, maîtriser son agriculture dans notre triptyque va avec la maîtrise de l'eau, et la maîtrise de l'eau va avec la maîtrise de l'énergie. Dans notre conception du modèle agricole, je vous ai parlé tantôt de 100 000 hectares dédiés aux jeunes. En termes, comme nous parlons d'énergie, en termes énergétiques, cela correspond à une consommation énergétique de 1 gigawatt-heure par jour. Évidemment, ça, ce n'est pas disponible. Maintenant, pour pouvoir assurer le fonctionnement correct de ces infrastructures, nous faisons exclusivement appel à l'énergie solaire. C'est-à-dire, de manière ramassée, que les 100 000 hectares qui seront irrigués pour atteindre 100 000 hectares par an pendant les 5 premières années. Donc, à terme, ce sera 500 000 hectares. Et ces 500 000 hectares seront alimentés exclusivement par l'énergie solaire photovoltaïque. Et pour 90% d'entre eux par l'énergie solaire photovoltaïque, et pour 10%, notamment pour les stations de pompage, là où on passe par de l'énergie solaire. Maintenant, l'accent que nous mettons sur l'énergie solaire est par fortune. Peut-être que le temps ne permettra pas, je vois qu'on me regarde, ne permettra pas de rentrer dans ces détails, mais force est de reconnaître que nous avons les capacités nécessaires pour ce que nous voulons faire. Évidemment, pour ceux qui ont eu à arpenter les non-campagnes, ce sont des technologies qui sont maîtrisées, qui sont aujourd'hui développées par nos jeunes et qui l'installent et qui l'entretiennent. Les besoins énergétiques, évidemment, il n'est pas possible de terminer mon propos sans rappeler que le changement climatique, le réchauffement climatique pour être précis, est dû à l'émission des gaz à effet de serre, qui, du point de vue historique, ne peut pas être imputé à l'Afrique et non au Sénégal. Pourquoi je dis ça? Le Sénégal, l'Afrique, a 4% contribue pour 4% aux émissions de gaz à effet de serre. Si vous prenez les États-Unis, l'Europe et la Chine, il dépasse 60%. Donc aujourd'hui, pour être clair avec tout le monde, pour réduire de manière significative les effets de ce changement climatique ou de la hausse des températures que l'Afrique est le premier à subir sur les 12 pays les plus affectés par la montée des températures, 7 sont africains. Malheureusement, ça c'est le cadre politique, on est habitué à ce qu'on dise ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Dans le cas d'espèce, les donneurs de leçons devraient aussi parler devant chez eux. Concrètement,
les ressources hydrocarbures disponibles au Sénégal seront utilisées et étendues pour asseoir une indépendance énergétique sénégalaise. Il est vrai que nous avons l'impression de ramer à contre-courant, mais nous considérons que notre souveraineté économique ne peut être négociée à l'aune ou sur des tables qu'il s'appelle COP28 ou COP22 ou je ne sais quoi. Et donc, que ce soit les ressources gazières ou les ressources pétrolières, nous considérons que ces ressources doivent être développées et non trouver des... Évidemment, pour terminer, madame, une partie de ces ressources, des revenus tirés de l'exploitation de ces ressources hydrocarbures, le président Aline Nguyen s'engage à utiliser une partie de ces ressources pour justement accélérer le mouvement vers la transition, vers les énergies douces. Parce que nous sommes un pays qui est doté de manière factorielle et il faut peut-être un minimum de ressources financières et nous comptons les tirer de l'exploitation de ces ressources pétrolières et gazières. Je vous remercie. Sur les effets du changement climatique sur la vie des communautés Saint-Louis, Mbao et ailleurs. Nous allons y revenir dans les discussions. Merci. Nous allons donner la parole au parti Espoir et Modernité pour vous présenter un peu son programme sur l'énergie. Merci. Donc, moi, je m'appelle Alain Badarassi, je suis urbaniste et je représente le candidat à Justine. Donc, je me réjouis de trouver dans cette salle dans un collègue et d'anciens camarades pour discuter de ces questions qui sont stratégiques. La question de la transition énergétique, la transition écologique, je pense pour l'aborder, il faudrait mettre à niveau nos politiques publiques pour puisse intégrer la croissance verte. La croissance verte, c'est quoi? C'est une croissance qui concilie le développement économique et la protection de les énergies renouvelables. Comment intégrer également l'efficacité énergétique dans nos activités, dans nos industries, et mettre le focus autour de trois secteurs, particulièrement le secteur du transport, le secteur du bâtiment et le secteur de l'industrie. Ce sont les secteurs les plus énergivores et qui produisent beaucoup les gaz à effet de serre. Donc je pense que nous avons un développement économique ou bien nous avons un développement de façon durable très énergivore. Ça se voit dans la façon dont nous habitons. Donc on doit adresser nos modes de vie, nos modes d'habiter et surtout nos comportements. Donc il est nécessaire de changer les comportements et également introduire de nouvelles réformes pour que la question du changement climatique puisse être intégrée dès le bas âge au niveau des écoles, au niveau des institutions, des universités. Parce que valoriser les eaux usées, on en parle, mais est-ce qu'on sait le faire? Est-ce qu'on a les capacités techniques pour le faire? Donc, il y a un besoin de renforcement des capacités de toutes les catégories socio-professionnelles pour intégrer la croissance verte. Je pense également que le pétrole et le gaz sont une opportunité pour financer la transition écologique. Parce que la durabilité, le développement durable ou la transition écologique, elle est incontournable, elle est inévitable. On est obligé d'y aller et on doit embarquer ensemble dans ce bateau, et il est nécessaire de mobiliser des financements pour financer le changement climatique. C'est ce qui est notre principal problème. Financer la protection des côtes contre l'érosion côtière, contre l'avancée de la mer, financer les îlots de chaleur qu'on commence à ressentir à Dakar, il fait beaucoup plus chaud, financer le réchauffement climatique, financer aussi notre urbanisation, parce que nous sommes à 60% de citadins, nous vivons dans les villes, et les villes sont également là où les problèmes de changement climatique sont très préoccupants, mais également l'urbanisation est une des conséquences de ce changement climatique. Donc il faut aller vers des villes vertes, vers des villes durables, vers des villes qui vont promouvoir les transports en commun, les transports de masse comme le BRT, comme le TER. Il faut le développer davantage un peu partout à Dakar, un peu plus au Sénégal, et fixer les populations. Parce qu'on ne peut pas parler de transition écologique, de climat, sans parler d'aménagement du territoire. C'est le point de départ pour tout développement économique. Et dans ce cadre-là, étant donné que la vision du candidat Habib Sy, il rejoint le projet de société de la coalition Diomaye,
il est prévu de mettre en place une stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable. Donc ça, c'est un aspect très important. L'autre aspect, c'est la mise en place d'un fonds. Le fonds national pour la promotion de l'économie verte. Donc c'est des aspects importants qu'on doit introduire, qu'on doit mettre en place pour lutter contre le changement climatique. Pour finir, il y a deux aspects importants qu'on oublie des fois dans la question de lutte contre le changement climatique. On parle des régions côtières, de biodiversité, mais ce qu'on oublie, c'est la prospective. C'est-à-dire regarder 25 ans, regarder le futur. L'absence de prospective est un défi pour la durabilité environnementale. Si on ne se projette pas sur le futur, on aura toujours des problèmes parce qu'on sera obligé d'aller vers des démarches urgentes et le développement, l'urgence n'est jamais bonne conseillère. Merci. Je m'appelle Mohamedou Lenin-Bouj. Je représente le candidat de Kifan. Je suis de cette frange de population qui a moins de 35 ans et qui vit des temps difficiles. Avant de dire le comment est-ce que nous allons faire pour avoir une transition énergétique dans ce pays, laissez-moi d'abord situer le contexte, relever les défis avant d'en arriver au comment. En 3 minutes, si vous voulez. Le contexte, c'est que nous sommes dans un pays où le taux de chômage est extraordinaire. Nous sommes dans un pays où la pauvreté est extraordinaire. Nous sommes dans un pays où aujourd'hui le taux de couverture énergétique n'est que de 62%. Nous sommes dans un pays où, en zone urbaine, le taux de couverture dépasse les 90%. Mais en zone rurale, nous sommes en deçà de 50%. Donc c'est un défi. Nous sommes dans un contexte où l'Europe a bâti son industrie en utilisant les énergies fossiles, notamment le charbon durant la seconde révolution industrielle, le pétrole ensuite, le nucléaire et tout ce qui a été nucléaire aussi ensuite. On vient aujourd'hui, on nous demande peut-être de limiter ce qu'on va utiliser en termes de gaz et de pétrole dans un contexte où on a impérativement besoin d'industrialiser ce pays. Donc c'est un souci. Après le défi, le comment. Donc il faudra procéder peut-être à un arbitrage. Industrialiser ce pays en respectant peut-être certaines règles, tout en étant moins pollueur que les autres, il faut le dire. Lui, il disait tantôt qu'il faudrait peut-être que l'on change notre mode de vie. Mais je pense que l'indice carbone d'un Africain est différent de l'indice carbone d'un Européen. Nous n'avons pas de chauffage. Notre mode de vie est différent de celui des Occidentaux. Nous n'avons pas les mêmes indices de carbone. Donc, toutes ces choses faisant, nous baserons sur deux choses qui seront primordiales. D'abord, le simple fait d'essayer de ramener la participation d'énergie solaire sur la production énergétique que nous avons, de faire passer cela de 30 à 50%, ça c'est un premier point. Le second point aura aussi impérativement le fait d'intégrer dans la production d'énergie verte tout ce qui est éolienne et consorts. Maintenant, va se poser la problématique du financement. Nous sommes dans un contexte où, au plan mondial, souvent le FMI te dicte, si le FMI te finance, te dicte carrément les logiques sur lesquelles tu utiliseras ces financements et ne se concentrera pas par rapport aux besoins. Le FMI ne va pas se soucier du besoin qui veut que pour produire 1 kW électrique, tu es à 72 francs et qu'en énergie verte, tu es à moins de 30 francs. Ils n'en ont cure. Le FMI ne va pas se soucier du fait que la teneur en soufre de ton carburant est très élevée, 144 fois plus que la norme internationale. Mais par contre, le FMI va donner de l'argent et te dire tu mettras ça dans telle infrastructure, dans telle infrastructure. Donc nous, ce qu'on fera dans un premier temps, c'est diversifier, aller chercher une diversification de l'offre financière pour qu'on puisse être libre de pouvoir investir l'argent qu'il faut dans les énergies vertes. Ça, c'est un. Je raccourcis. D'accord. Deux, peut-être augmenter aussi le nombre d'IPP qui ont été donnés et contactés dans ce pays. Quand je parle d'IPP, c'est ce qu'on appelle les Independent Power Producers. C'est-à-dire, c'est des contrats qui se négocient en take or pay et qui font de sorte que la Sénélec va trouver une entreprise qui sera chargée de produire de l'énergie et de vendre en retour à la Sénélec. L'APER nous a donné raison là-dessus pour la simple et bonne raison que les différents contrats conclus en IPP se sont montrés très fructueux. Je pense que pour les énergies vertes, la Sénélec achète à 45 francs. Là où, je le répète,
le coût de production du kilowatt en 2019 était de 112 francs. Donc ça aussi, nous allons l'encourager. Maintenant, quant au carburant qui pose aussi problème. Le carburant, je l'ai rappelé tantôt, pour juste le gasoil, la teneur en soufre est très élevée. Puisque Dieu a fait que nous trouverons du pétrole et du gaz dans ce pays en 2024, la première des choses, c'est qu'en termes de raffinerie, que l'on se mire sur les règles internationales pour qu'on puisse avoir du carburant de bonne qualité et moins nocif pour la population. Après ces deux points, peut-être revenir sur l'importance carrément de l'énergie dans tout ce qui est processus de production de biens. Je donne pour exemple le domaine minier, où si on regarde l'architecture des charges de production, l'énergie à elle seule, c'est 70% des charges. Donc, puisque nous voulons une industrialisation de ce pays, nous nous baserons impérativement sur le fait d'être à 50% de mix énergétique ou plus, mais sur le fait aussi qu'en termes de transport et de tout ce qui s'ensuit, faire de toute sorte pour que les Sénégalais puissent en bénéficier du moins. Merci beaucoup. Je crois que nous allons revenir d'ailleurs sur l'emploi en termes de formation aussi en énergie verte, parce que au Sénégal c'est encore très très timide, sinon quasi inexistant. Je rappelle que nous sommes suivis via Zoom dans le monde entier et sur toutes les plateformes du CESTI également. Merci. J'ai donné la parole à Madame Diong, représentante de la coalition IDI 2024 pour 3 minutes. Merci. Merci. Alors, je suis Aïda Diong-Gounian, météorologue climatologue de formation, et je représente aujourd'hui la coalition IDI 2024. Donc, au nom de cette coalition, au nom du président Idriss Seck, je vous remercie pour la tenue de cet événement, parce que vous, les journalistes, vous avez le pouvoir de façonner l'opinion. Et donc, vraiment, nous sommes contents qu'un tel débat puisse se tenir, qui s'intéresse au contenu, à la vision des candidats. Donc, IDI 2024, au-delà du programme pour les 5 ans à venir, veut sceller un pacte avec le peuple sénégalais. Donc, c'est une vision prospective. Parce que ce que nous voulons, c'est construire les ressources humaines pour développer le Sénégal, pas pour un mandat, mais pour les décennies à venir. Et donc, le pacte, c'est également des acronymes. Donc, je ne vais pas détailler le reste, mais je vais dire chaque acronyme, ce que ça veut dire. Donc, la lettre P, c'est pour la paix. Donc, il se base sur la sécurité à l'intérieur, à nos frontières également, la justice et la cohésion nationale et sociale. Autorité, se base sur le civisme, les institutions, la bonne gouvernance, ainsi de suite. Mais autorité avec compassion à l'égard des populations, d'abord pour un accès aux services sociaux de base, donc qui sont également quelque part liés aussi au changement climatique. Quelques de ces solutions, comme la souveraineté alimentaire, l'accès à l'éducation de qualité, santé de qualité, ça, ce sont les services sociaux de base. Et c'est également, c'est pour compétences. Donc l'éducation, mettre en place les compétences progressivement et les utiliser là où il faut. T, c'est pour le travail, donc avec un focus sur le secteur primaire qui est fortement impacté par le changement climatique, que ce soit l'agriculture, l'élevage, la pêche ou la foresterie. Et E, c'est pour espoir, espérance pour cette jeunesse-là qui va constituer un atout si tout ça là est mis en place, et non une bombe à retardement. Et E, c'est également pour l'environnement. En discutant avec le président Idriss Seck, il m'a dit qu'on peut ajouter environnement à E. Et donc, nous avons ce pacte-là, mais nous avons également un programme détaillé avec plusieurs propositions. Donc, dans ce programme, il y a 3 axes. Institutions et territoires, économie et capital humain. Et dans la partie économie, nous avons une section dédiée à l'énergie, climat et environnement. Parce que nous considérons que nous ne pouvons pas traiter les questions énergétiques sans parler du changement climatique et vice-versa. Et la question concerne spécifiquement l'énergie. Pour l'énergie, nous avons une vision à court, moyen et long terme. À court terme, comme nous avons commencé à exploiter le gaz, à court terme, nous allons consolider la politique
Gas to Power qui est là pour réduire les coûts de l'électricité dans le court terme. Mais également, nous avions une vision à long terme pour développer progressivement la part des énergies renouvelables. On parle de 30 à 50%. Également, de nous conformer aux chartes que le Sénégal a signées. Nous savons qu'il y a l'accord de Paris, certains l'ont rappelé. Il y a également le JETP. Donc, nous voulons une transition juste, mais nous voulons faire de sorte que la part des énergies renouvelables augmente rapidement et progressivement. Nous veillerons également à ce que les investissements dans les secteurs des énergies fossiles et dans les secteurs des énergies renouvelables soient regardés à la loupe, parce que nous ne voudrons pas mettre en place des infrastructures pour les énergies fossiles qui, dans le temps, seront des actifs dévalués. Donc nous veillerons à l'investissement que nous mettrons en place pour les énergies fossiles et nous mettrons en place également un écosystème pour le secteur privé fort, pour des centrales, des mini-centrales solaires. Nous savons qu'il y a des centrales solaires au Sénégal, mais ces centrales solaires, c'est des grandes centrales solaires qui ont des grandes capacités et que souvent, ce n'est pas le secteur privé national qui peut le faire. Donc un écosystème pour que le secteur privé national puisse mettre en place des mini-centrales solaires, puisqu'on puisse utiliser l'énergie solaire dans les ménages, dans les industries. Voilà en gros notre vision pour l'énergie. En attendant d'avoir d'autres questions. Merci. Merci beaucoup. Je me nomme Alpha Gueye. Je représente le candidat Tierno Alassane Sall, qui est candidat naturellement à l'élection présidentielle. Alors sur cette question, il est important de rappeler que l'élection présidentielle est un rendez-vous qui met en face un homme et son peuple. Pourquoi je le rappelle? Puisque il y a les programmes qui sont écrits, des fois très bien écrits, mais dans l'application, on rencontre souvent des écueils, des faiblesses. Je le rappelle puisque dans nos travaux, nous faisons toujours le lien entre le leadership politique et la mise en œuvre des politiques publiques. Tierno Alassane Sall a la chance d'être un homme de savoir, un homme de science, qui fait que tout récemment, en 2023, il a écrit un excellent article sur la transition énergétique, sur le climate change, jusqu'à être coopté parmi les 10 leaders qui œuvrent de manière continue sur la transition énergétique. Et si ce leadership-là, il l'incarne, il le vit, avant de se présenter à l'élection présidentielle, s'il prend des engagements dans ce domaine, nous pouvons facilement y croire. Et dans son programme qui s'appelle « Réenchanter le Sénégal, Natalat Sénégal », il y a 5 axes stratégiques qui portent sur le Sénégal. Comment faire pour faire du Sénégal, faire redevenir la vitrine de la démocratie en Afrique. Le deuxième axe stratégique, c'est de veiller à ce que le Sénégal redevienne l'industrie de l'Afrique de l'Ouest. Le troisième axe, que le Sénégal soit l'hôpital de l'Afrique de l'Ouest. Le cinquième axe, que le Sénégal soit l'université de l'Afrique de l'Ouest. Alors, sur l'axe qui porte sur l'industrialisation, que le Sénégal soit leader en Afrique de l'Ouest, c'est en partant d'une forte volonté de s'industrialiser, mais de donner une quote-part importante à l'industrie verte. Mais sachant que nous avons une responsabilité historique, c'est d'assister ou de faire partie de la génération qui, après des millions d'années de sédimentation, aura la lourde tâche d'exploiter le pétrole et le gaz, qui peut durer, on va dire, entre 50 et moins d'un siècle. Et pourtant, des millions d'années
ont servi à arriver à cette situation. Donc, ce qui nous amène à dire que le leader doit exercer toute responsabilité pour assurer à son pays la souveraineté économique qui nous est chère et qui passe naturellement par une industrie, par une industrialisation, mais les concilier avec les impératifs du développement durable, de la transition énergétique. Donc c'est cette balance que nous amenons dans le programme pour non seulement réussir cette industrialisation, mais sans donner lâcher du lest sur nos engagements sur le développement durable. Parmi les solutions que nous amenons dans notre programme, c'est d'abord l'éducation, l'effet de l'éducation qui fait que les pays avancés en transition énergétique ont des besoins extrêmement importants dans tous les nouveaux métiers des énergies propres, que ce soit l'électricité, que ce soit la fabrication de batteries, que ce soit dans le domaine de l'hydrogène vert. Donc, ce qui nous amène à non seulement intégrer dans les curricula le développement durable, mais de préparer nos jeunes, nos scientifiques à percevoir et à se préparer à ces métiers d'avenir. Un autre élément sur lequel nous revenons dans le programme, c'est au niveau institutionnel, où, de la même manière qu'on a dans beaucoup de pays des lois encadrées sur la transition énergétique, que nous puissions le faire également dans le pays. Un autre volet, c'est sur les financements qui sont disponibles pour être captés, pour arriver à une bonne transition énergétique. Nous avons l'exemple du Gabon qui réussit à certifier ses puits de carbone et à les monétiser. Donc, il faut dire que tout ce travail-là est intégré dans le programme, puisque dans l'article de Tcherno Alassane Sall, il revient sur un diagnostic approfondi qui fait que l'exploitation des énergies fossiles ne doit pas en aucun cas nous amener à une situation environnementale désastreuse. Donc, ce qui fait que sa position sur les contrats pétroliers n'était pas seulement portée sur les enjeux financiers, mais sur les enjeux de développement durable, sur les enjeux environnementaux qui, s'ils ne sont pas correctement pris en charge par les opérateurs pétroliers et gaziers, c'est un pays qui va être traversé par une exploitation et qui finira pauvre et qui finira désœuvré à la suite de ses activités. Donc voilà en quelques mots les éléments sur cet aspect-là. Merci. Bonjour et merci beaucoup. Je m'appelle Momar Daou. Je suis un physicien chimiste de formation et je suis un environnementaliste également, qui est spécialisé sur la responsabilité sociétale des entreprises. Je représente aujourd'hui le candidat Boubacar Camara de la coalition CAME 2024. CAME 2024 a axé sa politique de développement durable. Je vais vous permettre d'abord de vous partager la vision du candidat Boubacar Camara par rapport à son offre politique. Pour lui, aujourd'hui, sa vision, c'est de bâtir un Sénégal prospère, c'est-à-dire développer durablement. Pour un capital humain épanoui qui place l'homme au cœur de tout, à travers l'exploitation judicieuse des ressources naturelles. Donc c'est ça sa vision. Et par rapport à cette vision, il a mis en place un programme qu'on appelle le programme Tabakh.
Et l'objectif de ce programme Tabakh, c'est d'apaiser les esprits, c'est aussi de soulager les cœurs et tout simplement de renforcer le pouvoir d'achat des populations. Et ce programme Tabakh aujourd'hui est structuré d'abord avec un plan Diagal, c'est-à-dire une restructuration de la situation qui est déjà là, ensuite la mise en place de ce programme Tabakh. Alors ce programme Tabakh va s'axer sur ce qu'on appelle la transformation structurelle de l'économie, pour en venir au thème qui est l'énergie. Le Sénégal, ou bien les Sénégalais, ont des besoins qui sont des besoins concrets. C'est quoi? C'est se lever le matin, aller faire leurs besoins, prendre le transport, faire le travail, revenir le matin et organiser leurs activités dans un environnement où on utilise l'énergie. Alors, quand on regarde aujourd'hui l'environnement dans lequel on se trouve, on utilise tout simplement l'énergie pour partager la voix, on utilise également l'énergie pour mettre la lumière, on utilise également de l'énergie pour déplacer des matériaux et tout ça. Donc cette énergie aujourd'hui que les gens utilisent sont ou bien constituent ce qu'on appelle le quotidien de tout Sénégalais. Donc quand vous voulez transformer ce pays, quand vous voulez également, c'est-à-dire rendre ces populations épanouies, il va falloir comprendre ce qui est l'énergie pour pouvoir apporter des réponses claires et structurées par rapport à cette question énergétique. Sur cette question énergétique et dans le programme Tabakh, le président Boubacar Camara a d'abord fait un constat. Le constat, c'est clair, c'est qu'aujourd'hui, la dépendance du Sénégal sur les questions énergétiques est sans appel. Il est aussi conscient que le Sénégal, quand on parle de transition énergétique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est devant une situation où le Sénégal passe d'un pays qui est dépendant de façon, de moins, par rapport à l'exportation d'énergie, par rapport à un pays, autant pour moi, qui est producteur d'énergie. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à ces deux phases, l'État du Sénégal est prêt pour entrer par rapport à cette phase-là? Il y a des initiatives qui ont été faites, mais pour nous, cela ne permet pas tout simplement de développer durablement le Sénégal. Dans notre stratégie de transformation structurelle de l'économie, nous allons, pour en venir à l'énergie, nous allons utiliser l'énergie pour l'industrialisation du pays. Donc nous allons industrialiser le pays, nous allons faire le maximum également pour pouvoir utiliser l'énergie pour rendre les situations des Sénégalais meilleures. Et pour y arriver, il va falloir mettre en place des réformes. Donc nous allons instaurer une réforme dans le domaine de la gestion de l'énergie. Nous allons aussi mettre en place des réformes au niveau institutionnel dans le cadre juridique pour permettre également l'utilisation des ressources. Donc voilà un peu ce que je voulais faire en termes de présentation avant d'en venir dans le développement du programme. Merci. Bonjour à tous. Mon nom est Cheikh Mohamed Hafiz Sek. Alors, moi, je suis expert comptable, donc expert financier, mais très sensible également aux questions de l'environnement. Donc, je suis partie de l'UND et Ensemble Nord, et je représente le candidat Aliou Momodouja. Pour ne pas faire long, je pense que globalement, les idées qui sont ressorties se recoupent. Pour moi, pour être factuel, comme je disais la dernière fois dans une émission, c'est aujourd'hui, quelle est la problématique réelle au-delà des politiques et des propositions qui sont faites. Donc elles sont toutes bien beaux, elles sont très jolies, mais globalement, je pense que le problème fondamental au niveau du Sénégal, c'est un problème de volonté politique réelle. Dans le programme du candidat Aliou Momodouja, il y a 4 piliers. Et parmi ces piliers, pour ne pas être long, il y a celui qui concerne tout ce qui est économique, compétitif, durable et inclusif. Et ce pilier-là s'appuie sur un levier qui est essentiel, qui est l'accès à l'énergie. Et on l'a abordé sous l'angle de la transition énergétique. Et aujourd'hui, c'est une question qui est fondamentale, qui ne peut pas être occultée. J'entends ceux qui disent que nos pays ne sont pas ceux qui polluent le plus. Mais aujourd'hui, si les populations de Guendar font face à l'érosion côtière, ce n'est pas ces populations-là qui ont pollué,
mais ils subissent les conséquences de cette dégradation de l'environnement. Ça veut dire que nous sommes tous dans une seule planète et qu'il n'y a pas d'autres planètes, il n'y a pas d'autres options. Donc c'est des questions qu'on doit essentiellement prendre en compte, non pas à l'échelle économique, c'est important, je ne l'occulte pas, mais également surtout en termes de conséquences sur nos populations. Parce que ça veut dire quoi? Si vous mettez le focus sur le développement, vous continuez votre développement sur la base des ressources fossiles, ou tout ce qui est, aujourd'hui on parle de pétrole, etc. Mais le contre-coup, c'est quoi? C'est une dégradation de l'environnement, c'est le poids du coût, c'est le coût de votre de la santé qui va se ressentir sur la population. Donc c'est un pendant. Il n'y a pas globalement une stratégie qui va être plus que l'autre. C'est pourquoi dans notre programme, on a parlé d'une transition énergétique, mais qui va se faire de manière progressive et d'arriver à, sur une échelle décennale, à un mix énergétique de 50-50. Nous sommes dans un pays où on a 320 jours d'ensoleillement, on a du vent à gogo, mais cela n'est pas exploité de manière optimale. Et dans le programme, on a clairement évoqué la nécessité de créer au moins 5 centrales photovoltaïques qui devraient pouvoir être interconnectées avec le réseau classique. Et dans les, sur les questions d'équité, parce qu'il y a également cette question d'équité et d'accès à l'énergie au niveau rural, c'est d'encourager la création de l'accès à l'énergie à travers l'énergie photovoltaïque, mais également l'énergie solaire. Et en même temps, pour régler la question de la problématique de l'emploi des jeunes, nous sommes dans un pays où tout est importé. Même des plaques solaires, on est obligé d'aller en Chine pour les prendre. Combien de jeunes aujourd'hui sont là qu'on peut former et qui peuvent valablement créer ces centrales-là et qui permettent d'alimenter à la fois nos populations et en même temps résorber le problème de l'emploi des jeunes. Je crois qu'au-delà de tout, la question fondamentale, je pense, c'est une question de volonté politique de nos États. Et pour ça, on a un programme avec des mesures incitatives pour inciter le secteur privé à investir davantage vers ce qu'on appelle l'économie verte. Au-delà de ça aussi, c'est de redonner à ce qu'on appelle l'emploi vert. Ben, tout ça, son importance. Aujourd'hui, le rapport du Sénégalais avec les bois, avec ceux qui travaillent dans l'environnement, est très révélateur de notre rapport à l'environnement. Et je pense que ça, c'est des aspects qui sont fondamentaux. Redonner à l'emploi vert son lieu d'antan, les mettre dans les conditions optimales de sorte qu'il n'ait pas à envier aucun autre travailleur, et au-delà de ça, mettre en branle ces politiques-là qui nous permettront définitivement, sur un horizon décennal, d'arriver à un mix énergétique de 50-50. Je terminerai juste par dire que 2,5 millions de mètres cubes de gaz, 100 000 barils de pétrole par an, c'est très alléchant. Mais à la fin, le contre-coup, c'est le poids économique, le coût de prise en charge de nos populations. Et ça, c'est important. Donc, il est important d'avoir ce mix énergétique-là qui nous permettrait de résorber définitivement ces soucis. Et cette interconnexion entre les questions d'équité territoriale, mais également d'emploi des jeunes. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais commencer par saluer tous mes compatriotes qui sont là. À la réalité, d'un point de vue écologique, il faut décrisper la situation. Sombok et salam alaikum, nangendef. Nous sommes tous des Sénégalais. Nous vivons, nous subissons en réalité les mêmes effets du changement climatique. Nous le subissons de la même façon en tant que Dakarois, mais également nous le subissons de façon très drastique et très difficile à l'intérieur du pays. La preuve, sortez de Dakar, allez à Diamniadio, vous ne croirez pas qu'on est dans le même pays. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que la question, elle est fondamentale. Elle est fondamentale dans la mesure où, je m'excuse de ne m'avoir pas été présenté, je m'appelle Mamoudou Aliou Diallo, je suis professeur à la faculté de sciences juridiques et politiques de l'Université Charles de Dakar, spécialiste du droit du littoral, mais également spécialiste de l'environnement. Je fais partie du mouvement national des cadres patriotiques, du MACEF, et par conséquent, j'ai été sollicité pour venir un petit peu de partager avec les amis sénégalais la politique publique du projet, et en particulier celle concernant le problème écologique. Nous parlons chez nous d'efficacité énergétique et de transition écologique. C'est une question aujourd'hui qui est fondamentale. Parce que vous savez, le Sénégal, ce n'est pas le seul pays du monde. Le changement climatique est universel. Depuis Rio 1992, les décideurs publics se sont rendus compte que nous faisons face à un dilemme. La surindustrialisation qui a pour effet qui contribue à démettre des gaz à effet de serre et les conséquences qui en ont suivi, ce n'est pas quelque chose qui est particulier au Sénégal.
Mais maintenant, si nous prenons la dimension sénégalaise, qu'est-ce que nous avons à apporter par rapport à cette question-là? C'est ça, aujourd'hui, notre problématique par rapport à la question qui est posée. Donc, quand je parle d'efficacité énergétique et de transition écologique, c'est une politique publique qui entre dans le cadre de la politique environnementale et sociale du PASTEF, notamment dans le projet. Et les questions fondamentales qui se posent sont celles-là. Face aujourd'hui à la crise mondiale, depuis la COP 1 jusqu'à la COP 29 ou 28, qu'est-ce que le Sénégal, quelle est la particularité du Sénégal, quelle est la singularité du Sénégal, et par rapport à cette question, que dit aujourd'hui le projet? Le projet dit que nous avons aujourd'hui des aspects fondamentaux à réglementer, d'abord la réglementation, parce que vous savez, le droit réglemente la vie en société. Nos sociétés aujourd'hui font face à un problème climatique, à un problème de changement climatique. Qu'est-ce que nous devons faire pour le cas particulier du Sénégal? Nous, encore une fois, nous sommes pas seuls sur la planète. Alors, on dit on doit d'abord définir un cadre d'abord juridique, mais également un cadre institutionnel qui va faire en sorte que nous puissions faire face dans le cocon que nous avons, qui s'appelle Sénégal, au changement climatique, pour apporter également notre. Alors, mais également des changements institutionnels. Et ensuite, la budgétisation, parce qu'il ne faut pas surfer dans l'espace, il faut être sur terre et dire qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce que nous pouvons faire et quelles sont les solutions que nous préconisons. J'ai apprécié la plupart des solutions qui ont été présentées là. Nous sommes tous des Sénégalais, nous aimons le Sénégal de la même façon. J'apprends de chez vous, peut-être également, je n'ai pas la prétention de dire que je vais donner également des solutions, mais quand même, on va partager, on va échanger. Alors, pour nous, la mise en place de la stratégie de transition énergétique et écologique requiert la vision d'abord, la révision du cadre réglementaire, du cadre organisationnel et structurel et de la politique économique, sociale et environnementale. Du point de vue de la stratégie, elle doit viser l'intérêt général. La stratégie, c'est l'intérêt général. Donc, on a créé ce qu'on appelle la stratégie, le groupement d'intérêt public, ce qu'on appelle le GIP, qui a un but non lucratif, qui a donc pour mission de réviser sur le plan national la politique sectorielle de l'environnement, de l'économie et d'autres documents de planification politique. On parlera même de planification stratégique, si vous voulez, des activités qui vont faire en sorte qu'on va lier un petit peu de développement, on va donc développer l'énergie solaire, mais également protection de notre environnement, protection de notre climat, protection de notre éco-sociosystème. Alors, sur le plan maintenant organisationnel, la TAGI doit disposer d'un conseil d'administration, d'un directoire exécutif composé de membres de la direction, et d'un organe technique opérationnel regroupant le personnel de mise en œuvre et d'appui. D'un point de vue structurel, il faut ne pas se voiler la face. L'écologie, ce n'est pas seulement l'affaire du ministère de l'Environnement. L'écologie, c'est l'affaire de tous les ministères. Il faut que les ministères se parlent. Il faut que dans les stratégies d'organisation de la politique publique, qu'il y ait dans chaque ministère un aspect relatif à l'environnement. Chacun dans son domaine. Je prends l'exemple, par exemple, de l'université ou bien encore de l'école. On ne peut pas se développer si tout vient de l'extérieur. Il faut programmer, il faut réformer notre programme pour éduquer nos enfants, pas de façon civique seulement, mais éduquer les enfants pour qu'ils puissent être eux-mêmes les leviers de leur développement. On a déjà parlé tout à l'heure. Est-ce que nous avons la possibilité de construire des panneaux solaires aujourd'hui, alors que nous avons le soleil presque à 360 jours, 365 jours? Une anecdote. Mon enfant, lorsqu'il faisait sa thèse de doctorat d'État, il travaillait un peu sur l'énergie. Je lui ai dit que je n'ai pas de sujet particulier. Faites-nous un sujet qui porte sur... Monsieur, voilà ce que vous avez créé. Allez-y aujourd'hui à l'école supérieure multinationale de télécommunications. Ils ont fait ce qu'on pourrait appeler un environnement qui est cool, un environnement dans lequel tout ce qui a été fabriqué là, ce sont nos enfants sénégalais qui l'ont créé. Il faut éduquer les enfants dans ce domaine-là. C'est terminé. Nous n'avons plus besoin aujourd'hui des gens qui savent que quand deux verbes se suivent, que le second se met à l'infinitif. Ça n'apporte pas un plus au Sénégal. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est quoi? Ce sont des individus qui gouvernent, ce sont des individus qui inventent. Ce sont des individus qui inventent pour qui? Pour l'intérêt général sénégalais. C'est des éléments qui sont suffisamment importants. Je m'excuse de parler comme ça, je suis un enseignant, c'est mon métier. Donc, vous savez. Alors, qu'est-ce que nous allons donc préparer? Donc, on va donc, si on récapitule... Chers collègues, il vous reste une minute. D'accord. Donc, la faisabilité, quelles sont les solutions que nous proposons? Mon collègue tout à l'heure en a parlé. Donc, la mise en place d'un site de stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable. Et ensuite, la mise en place d'un fonds national de promotion de l'économie verte. Et tout ceci doit faire l'objet d'une budgétisation. Je vais proposer de façon très rapide ce que nous avons prévu pour la budgétisation. D'abord, la mise en œuvre de la stratégie nationale de transition écologique à décliner sous forme de projet pouvant nécessairement être budgétisé, un budget annuel de 40 à 50 milliards sur une durée de 10 ans, alors que les fonds nationaux de promotion de l'économie verte
pourront être donc estimés entre 75 à 90 milliards à mobiliser sur une période de 10 ans, suivant le plan stratégique. Donc tout est à planifier. Il faut planifier l'enseignement, il faut modifier l'enseignement, il faut dire qu'il y a la rupture. Le projet prône la rupture. Nous n'avons plus besoin aujourd'hui de juristes comme moi, qui sont là pour répéter des articles. Nous avons besoin aujourd'hui de techniciens supérieurs. Nous avons besoin aujourd'hui de jeunes qui nous fabriquent des téléphones, qui nous fabriquent aujourd'hui, et en tenant compte de l'impact de ce que nous produisons sur notre environnement direct. Il faut un homme nouveau. Pour cela, il faut un projet nouveau. Et pour cela, il faut Diomaye Président. Je vous remercie. Merci. Je pense que ici, s'il vous plaît, chers publics, merci. Je pense qu'ici, il y a énormément de propositions. Et nous avons tous envie de faire quelque chose pour notre survie. J'appelle ça survie parce que c'est en mode survie. Et voilà, peut-être un jour on arrivera à trouver une solution parce que ça aussi, ça dégrade l'environnement, les micros et autres, hein, je pense. Et effectivement, vous avez parlé de formation, mais je pense que il va falloir nous dire peut-être comment sortir de cette forme d'enseignement que nous avons aujourd'hui et mettre en place des systèmes de formation professionnalisante comme ça se fait ailleurs, toujours en lien avec l'emploi vert, comme vient de le développer certains des représentants des candidats. C'est le vouloir faire aussi, c'est bien, mais là, je pense que les citoyens d'aujourd'hui ont besoin de savoir le comment. Avant de développer ou de parler du second thème et de donner la parole au docteur Moustapha Sène, je vais redonner la parole aux journalistes. Certainement, ils ont des questions de relance parce que je les ai vus prendre des notes et ils ont bien lu vos programmes. Ça, c'est une évidence. Donc, je pense que maintenant, on va entrer dans le cœur de vos propositions. Avant ça, je rappelle seulement qu'on est suivi à l'international, un peu partout en Afrique et ailleurs, sur Zoom et via toutes les plateformes du CECI. Merci. Voilà, merci Yacine. Merci également aux différents représentants qui ont pu répondre quand même, chacun par rapport au programme mis en place. Donc, moi, c'est une petite question que je vais poser pour certains candidats. Et ma consoeur Ndjeme va se charger de poser des questions pour les autres. Donc d'abord pour Mamadou Lamine, le candidat Mamadou Lamine Diallo, vous avez parlé de recherche sur le solaire. Vous avez beaucoup parlé de solaire. Quelle est la part des autres énergies renouvelables dans votre programme? Et aujourd'hui, à l'université par exemple, à l'ESP, ils ont un bon laboratoire. Très souvent, on voit des choses qui se font là-bas. Même le solaire là-bas, les gens peuvent le faire, mais ils n'ont pas les moyens de développer tout ça. Qu'est-ce que vous allez apporter peut-être de plus pour qu'on puisse sortir de ces laboratoires-là et que concrètement la recherche puisse aider aujourd'hui à aller vers cette transition énergétique. Pour Benlo Bokuyaka, il a parlé de 50% de mix énergétique. Vous avez dit que c'est une continuité du PSE. Dans le PSE, on dit atteindre 40% en 2030. Quel est déjà l'horizon que vous fixez pour les 50%? Et avec quel type d'énergie vous comptez quand même y aller? Quelles sont vos priorités par rapport à ces énergies-là et comment vous comptez atteindre 50% et c'est pour quand? Pour la coalition IDI 2024, quand on a parcouru votre programme, on a vu que vous avez parlé de faciliter l'accès à une énergie solaire domestique, c'est-à-dire pousser les gens à installer le solaire chez eux et même de devenir des producteurs, le surplus qui peut être versé dans dans l'énergie fournie par la Sénélec. Concrètement, comment vous comptez aujourd'hui changer ça et faciliter à tous les Sénégalais un accès à l'énergie solaire domestique afin qu'on puisse quitter la position de client et devenir producteur au niveau domestique? Alors, pour la coalition, le président Abibsi, son représentant s'est présenté en tant qu'urbaniste. Vous avez parlé de l'efficacité dans le bâtiment, surtout le bâtiment public. Les bâtiments publics, mais aussi les industries, entre autres. Comment concrètement vous comptez aujourd'hui apporter une solution aujourd'hui à l'utilisation de l'énergie dans nos villes, le mode d'habitat et entre autres? Et je pense que la dernière question, c'est pour Thierno Al-Sansal. Il nous a parlé d'industrie verte. J'aimerais bien que vous donniez quelques détails pour qu'on sache un peu comment
vous comptez transformer aujourd'hui toutes ces industries qui sont polluantes à des industries vertes. Donc, une autre question basique pour tout le monde, le nerf de la guerre, l'argent, les financements. Aujourd'hui, il y a des fonds qui sont disponibles, mais très difficiles d'accès. Comment, quelle stratégie vous comptez mettre en place pour capter ces fonds-là qui peuvent aider le Sénégal à faire face à ces questions qui sont aujourd'hui cruciales? Je donne la parole à Djemé qui va également interpeller les autres candidats. Ça, c'est pour ceux qui sont en ligne. Voilà. Bonjour tout le monde, moi c'est Ndiémé Faye. Ma première question s'adresse à la coalition Détiéfal 2024. Dans votre programme, vous prévoyez d'arrêter les centrales à charbon. À Bargny par exemple, selon la présidente des femmes transformatrices de Bargny, les deux tiers des terres sont occupées par des industries polluantes. Et en ce sens, quelle stratégie vous allez mettre en place pour réparer les dégâts qu'a causé la centrale à charbon? Et pour la deuxième s'adresse à la coalition, à la République des valeurs. Dans votre programme, vous parlez de promotion. C'est qui? Camara. Oui, c'est ça. Dans votre programme, vous parlez de promotion de l'utilisation des énergies renouvelables. Dans ce cas, comptez-vous investir dans la recherche et le développement de technologies permettant d'améliorer l'efficacité et la rentabilité des énergies renouvelables? Et qui encore? Ça, c'est pour Alingou Ndiaye, le représentant de Alingou Ndiaye. Lors de votre première intervention, vous dites avoir misé sur l'énergie solaire pour le fonctionnement de l'agriculture. C'est bien cela. Comment comptez-vous matérialiser cela? Je peux répéter la question si ça va. C'est bon. Et qui encore? Et la dernière question s'adresse à la coalition Diomaye Président. Le Sénégal fait partie des pays qui ont signé la déclaration de Dubaï sur le renforcement de l'éducation climatique en Afrique de l'Ouest cette année. Est-ce que cela veut dire que vous allez vous engager à respecter les engagements du Sénégal à la COP28 en matière environnementale? Je peux répéter? Ok. Le Sénégal fait partie des pays qui ont signé la déclaration de Dubaï sur le renforcement de l'éducation climatique en Afrique de l'Ouest. Est-ce qu'une fois au pouvoir, vous allez respecter les engagements que le Sénégal a signés à la COP28 en matière environnementale? Et qui reste encore? Pour le Parti de l'Unité et du Rassemblement, vous avez parlé de panneaux solaires. Comment comptez-vous investir dans la formation professionnelle afin de créer des industries qui vont s'activer, par exemple, dans la création des panneaux solaires? Oui, encore une fois, vous avez vu, j'ai souligné un tout petit peu la notion de déclaration. La déclaration, il faut le dire et pour s'en offusquer, je dirais comme ça, parce qu'il ne s'agit que d'une déclaration. Je dis qu'aujourd'hui, c'est comme si le monde n'avait pas suffisamment pris en compte la gravité, le degré de gravité de ce que nous vivons aujourd'hui par rapport au réchauffement climatique. De sorte qu'on ne parle que de déclaration. La déclaration, c'est quoi? C'est juste une déclaration d'intention. Ce n'est pas une convention, ce n'est pas un traité international. Ça signifie que même si on ne le respecte pas, la responsabilité ne peut pas être engagée. J'aurais souhaité que l'on dise, vous avez signé donc la convention sur, pas la déclaration sur. Donc c'est une déclaration d'intention. Alors, maintenant, une fois arrivé au pouvoir, est-ce que nous allons prendre en charge ce que nous avons pris comme engagement? La réponse est affirmative. La preuve, c'est que nous avons même aujourd'hui planifié d'un point de vue budgétaire, d'un point de vue financier, toutes les politiques publiques que nous avons donc élaborées, dont j'ai parlé tout à l'heure, par rapport à l'éducation. Et d'un point de vue budgétaire, tout est prévu. Je crois qu'il y a une question qui est posée à tout le monde. Je ne sais pas si je dois répondre à la question tout de suite ou bien. Merci en même temps, mais vous avez moins d'une minute, chers collègues. Moins d'une minute. En faculté de sciences juridiques et politiques, où j'étais avant d'arriver au CECI, les enseignants parcours. Très, très bien. Voilà. Concernant donc le financement, pour la mise en œuvre de la stratégie de transition écologique et du Fonds national de promotion de l'économie verte, elle sera donc assurée par diverses sources, dont d'abord le budget national,
le prélèvement des taxes sur l'exploitation des ressources naturelles, dont le pétrole, le gaz, les mines et industries, la levée des fonds domestiques à travers la fiscalité verte, dénommée aussi fiscalité émergente, et l'application stricte de la responsabilité sociétale, de l'entreprise, la RSE, le soutien des bailleurs bilatéraux et multilatéraux, comme le Fonds pour l'environnement mondial, le FEM, le Fonds vert pour le climat, le Fonds d'adaptation, les fonds pour les changements climatiques, les fonds d'investissement climatique et les fonds des énergies renouvelables de la Banque africaine de développement, entre autres. Voici donc les ressources. C'est pour dire que nous prenons ces choses à main et nous la prenons tout au sérieux parce que même les modes de financement ont été préconisés. Merci, merci beaucoup. Sur la question de M. Bodian, relative également à la stratégie pour financer le projet tabac, nous misons sur les ressources que nous avons, les ressources naturelles que le Sénégal a dispose. On va d'abord les certifier, connaître la quantité de ressources que nous avons. On va, à partir de cette quantité bien connue, faire ce qu'on appelle le battering. Ensuite, nous allons, après le battering, faire des partenariats publics-privés, c'est-à-dire les gens qui voudront, à la rigueur, utiliser ou bien exploiter nos ressources, vont en contrepartie faire des investissements de développement, aussi bien dans le domaine de l'énergie, du renouvelable. Et en dernier lieu, pour toujours dans la stratégie de mobilisation des ressources, nous allons faire beaucoup de réformes dans la rationalisation des ressources. Donc voilà un peu ce que nous prévoyons de faire dans la stratégie pour financer le programme tabac. Donc cela veut dire qu'on ne va plus aujourd'hui orienter notre recherche de ressources vers l'emprunt, mais nous allons tout simplement l'orienter vers ce que nous avons en termes tout simplement d'atouts. Merci. Qui sont nos ressources. Merci. Représentant de la République des valeurs. Alors, sur la question de l'industrie verte, c'est une belle question dans la mesure où ce qu'il faut dire, c'est que au-delà du cadre législatif et réglementaire qui sera mis à jour pour créer un cadre incitatif pour aller à tout ce qui est industrie verte, c'est le lien que nous faisons entre la souveraineté économique, l'emploi et le numérique. Donc pour dire que l'emploi se prépare à l'école, à l'université, pour créer suffisamment de scientifiques qui puissent tirer parti de la transition numérique, mais dans le domaine de la green tech. C'est-à-dire, il y a une liste très longue de domaines dans lesquels nous préparons nos jeunes scientifiques à se mettre, que ce soit dans la gestion des déchets, la maintenance, la gestion de l'eau. Donc tous ces éléments nous reviennent dans l'industrie verte, où, en plus des incitations, c'est cet esprit d'innovation qui naît de jeunes scientifiques qui permet de créer un écosystème d'industrie verte qui est infini. Vraiment, dans tous les métiers, nous avons la possibilité, dans le bâtiment, l'aménagement du territoire, avec un état stratège qui pose les conditions, le règlement pour inciter à cette prise en compte des obligations environnementales, c'est un boulevard pour forcément créer une industrie, parce que nous devons nous industrialiser, mais que ça soit conforme avec le développement durable. Merci beaucoup. Merci madame la modératrice. En fait, la question concernait comment faciliter l'accès à l'énergie solaire domestique. Je pense que ça commence. Il faut d'abord que la demande soit là. Et pour ce faire, il faut la sensibilisation et l'éducation. Dans le programme IDI 2024, nous proposons dans la partie éducation, d'éduquer les enfants aux questions environnementales et aux questions liées au changement climatique. Maintenant, tout à l'heure, j'avais parlé de la fabrication de mini-centrales. Et je pense que c'est dans ce cadre-là, la mini-centrale, de fabrication de mini-centrales ou de kits solaires domestiques. À coût accessible, également
qui peuvent aussi être subventionnés. Maintenant, pour les panneaux solaires, la réalité du marché est que c'est peu compétitif de les fabriquer sur place. Je pense que ça, on le verra dans la mise à jour de notre programme que je me ferai le plaisir de partager avec vous. Mais par contre, pour les kits solaires, il y a les armoires, il y a les câbles, et tout cela peut être fabriqué sur place. Donc nous encouragerons également cela. Et mettre en place un cadre juridique et un environnement juridique et fiscal qui est propice au secteur privé national pour s'emparer de ces questions-là, développer l'entrepreneuriat qui permet également de s'investir plus dans l'industrie du renouvelable. Donc voilà ce que nous proposons. Maintenant, vous avez également mentionné, de manière générale, je pense, la difficulté d'accès au financement pour le changement climatique. C'est vrai que nous constatons que l'action climatique, que ce soit l'adaptation au changement climatique, que ce soit l'atténuation du changement climatique, c'est-à-dire éviter les émissions de gaz à effet de serre, donc, et par la transition énergétique, est limitée par l'accès au financement, notamment dans les pays en développement. Tout à l'heure, quelqu'un a énuméré les différents fonds disponibles. Également, nous savons que les banques privées également sont en train de travailler, et grâce aussi à la diplomatie climatique, pour que les financements de l'action climatique par les banques privées soient améliorés. Mais je pense que ce qu'il nous faut, c'est développer les ressources humaines pour pouvoir accéder à ces fonds, parce que les fonds existent. Mais la difficulté, c'est que c'est très difficile d'accès. Il faut une préparation de longue durée et c'est développer les ressources humaines pour connaître les enjeux, pour pouvoir accéder à ces fonds et répondre aux critères. Voilà, merci. Bonjour, je pense que tout à l'heure, j'ai été le seul à ne pas trop développer sur son programme. J'avais eu à répondre directement à la question quand les autres ont quand même bien développé. Donc peut-être que vous seriez gentil de me laisser développer sur notre programme. Oui, ça me va. Avant d'en venir peut-être à la question. Pour notre programme, il est certain que nous nous retrouvons sur beaucoup de points, notamment à travers l'industrialisation de ce pays qui est devenu un impératif et qui passera impérativement par l'agriculture. Je pense que les différents programmes que proposent les programmes pour ces élections tournent autour d'une certaine endogénéisation de notre croissance économique. Et cela devra impérativement passer par l'agriculture dans un premier temps, mais ensuite dans une politique énergétique dûment établie dans un second temps. Peut-être c'est ce qui a fait que je sois directement allé à la politique énergétique en lieu et place de développer sur le programme. Donc, retenons deux axes. Le premier axe concernera tout ce qui sera question de gouvernance, questions économiques et questions énergétiques. Et en parlant de questions économiques, il s'agira dans un premier temps d'inverser le pyramide de production ou notre architecture économique qui, à l'État, est trop tiré par un secteur tertiaire qui a atteint son trop plein d'emplois, d'où le niveau de chômage excessif que nous voyons dans ce pays. Donc nous, ce que nous voulons, c'est de faire de sorte que le secteur secondaire quitte en termes de part sur le PIB les 23% actuels et atteigne carrément les 50%. Et produisent par là même 50% des emplois rémunérés. Mais aussi, une chose qui est très importante, l'agriculture qui occupe pratiquement 60% des Sénégalais et qui ne contribue qu'à hauteur de 19% sur le PIB, puisse aussi connaître un certain accroissement, je dirais, et arriver jusqu'à 30%. Donc, c'est fondamental, sachant que notre tissu industriel aujourd'hui est composé pratiquement de 60% d'entreprises qui sont dans le secteur de l'agroalimentaire. Je répète, notre tissu industriel est composé à l'heure actuelle de 60% d'industries qui sont dans l'industrie agroalimentaire et qui ont des besoins en matières premières qu'ils importent la plupart du temps. Donc, une agriculture développée permettra de réduire les coûts, permettra aussi de ne pas subir certains chocs exogènes qui influent sur les prix au niveau interne et nous font vivre des vagues d'inflation que nous subissons à plein fouet. Donc ça, c'était peut-être pour le point d'ordre économique. Maintenant, le point peut-être d'ordre environnemental concerne tout ce que nous appelons, nous, le Sénégal, beau à voir. Ça passera naturellement par l'aménagement, ça passera par la maîtrise de l'eau, ça passera par une meilleure politique de distribution des sols, ça passera aussi par un cadre de vie qui sera revu de fond en comble.
Maintenant, pour en venir à vos questions, je pense que j'ai deux questions qui m'ont été soumises. La première concerne la centrale à charbon de Bargnies. Et comment faire pour que les femmes qui gravitent autour puissent occuper les sols dûment après peut-être le départ de la centrale? Il faut d'abord qu'on ferme la centrale définitivement. Je pense que ça pose problème actuellement. C'est quand même 125 MW de produits, 125 MW de production journalière. Il faudrait que l'on voit, annuel de production, il faudrait que l'on voit comment d'abord pallier à ces 125 MW que produisent la centrale, ça c'est un. Deux, il est clair que les cendres qui s'échappent de cette centrale ont des impacts carrément sur le sol, notamment par la libération de produits qui sont nocifs à la santé. Donc il faudrait que l'on voit comment, scientifiquement parlant, nous pourrons faire de sorte que ce sol puisse être réutilisable dans un espace-temps bien défini, soit 5 ans, soit 10 ans, notamment par le fait de procéder à des traitements, mais aussi par le fait de procéder à des renouvellements du sol, décaper une certaine couche pour remplacer. Ça, c'est deux. Trois, ce que nous vivons dans ce pays est assez paradoxal. Quand je dis que c'est paradoxal, le Sénégal, je pense, possède 4,4 millions d'hectares de terres arables, mais n'en utilise que 0,2%. En utilisant 0,2% de ces 4,4 millions de terres arables, il est clair que nous ne sommes pas en train d'optimiser notre potentiel agricole. Donc, nous nous prévoyons par le biais de certains aménagements aussi, mais par le biais aussi d'une utilisation optimale de l'eau. Nous avons un potentiel de 35 milliards de mètres cubes d'eau inutilisée chaque année. D'irriguer ce qu'il faut pour permettre à ces jeunes femmes et à d'autres femmes de pouvoir utiliser pleinement les sols que nous avons à notre disposition, mais aussi l'eau, et pour qu'on puisse avoir une agriculture responsable, verte, et qui ne sera pas une agriculture qui se basera simplement sur la rentabilité. Ça, c'était pour votre question. Maintenant, le nerf de la guerre, je l'ai dit tantôt, en toute chose, c'est le financement. Je pense que nous sommes des économies qui dépendent trop de l'extérieur en termes de finances. Des fois, c'est des eurobonds qui fluctuent selon les humeurs du marché. D'ailleurs, l'exemple le plus récent que nous avons, c'est lorsque Macky Sall a reporté les élections. Je pense que les eurobonds du Sénégal ont connu une chute vertigineuse. Au-delà de ces eurobonds, il nous arrive d'emprunter aussi à travers les institutions financières internationales, mais il nous arrive aussi d'emprunter sur le marché local, interne. Nous voudrons impérativement suivre un peu le modèle japonais. Le modèle japonais qui consiste au fait qu'à chaque fois que nous avons un projet, nous interrogeons d'abord les Sénégalais sur la possibilité de mobiliser des fonds ou pas. Cela va nous permettre, au-delà du fait de réaliser ces projets, de faire profiter aux Sénégalais sur les retombées financières que cela va occasionner. Ça, c'est un. Deux, nous avons aussi des législations, comme je l'ai dit tantôt, notamment qui ont été procédées par l'APR, par le Bénin Boko Yakar. Je vais citer la loi sur le contenu local. C'est l'autre, juste. Je vais citer la loi sur le contenu local qui nous a permis d'avoir dans ce pays notre première centrale à capitaux 100% sénégalais. En soi, cela est une bonne chose. Il faudrait juste peut-être mieux l'encadrer, mieux suivre l'exécution de cette loi sur le contenu local, de sorte aussi que le privé sénégalais puisse être mis à contribution pour qu'il s'oriente vers ce secteur et vienne aussi pallier au manquement financier que l'État aura sur ce plan. Merci. Je pense que j'ai été interpellé sur deux points, sur l'urbanisation et sur le financement. Par rapport à l'urbanisation, ce que je veux dire en termes d'énergie. En réalité, souvent, quand on parle d'énergie, on fait référence à la consommation d'énergie, à la facture énergétique, à l'énergie fossile. Mais en réalité, on doit également faire référence à la façon dont nous habitons. Je vais donner un exemple, par exemple à Guédiawaye. Le fait qu'on ait urbanisé la façade maritime, ce qu'on appelle l'étalement urbain sur les terres agricoles ou bien sur les périmètres reboisés, vont faire de telle sorte que dans nos villes, dans nos quartiers, il va faire beaucoup plus chaud et on va consommer beaucoup plus d'énergie en utilisant les climatiseurs, etc. Donc, il faut limiter l'étalement urbain sur ces types de terres, sur des terres agricoles ou bien sur des terres qui ont des vocations peut-être pour forestiers. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de lutter contre l'étalement urbain. On va préserver les espaces boisés.
D'ici 10 ans ou 15 ans, vous verrez que les gens qui habitent à Guédiawaye, surtout dans la zone de Yarem, l'embrun marin va affecter leur maison, va affecter là où j'habite par exemple à Yoff. Chaque 2 ans, tu es obligé de changer de micro-ondes, de télévision, de serrure, de climatiseur, etc. à cause de la brise marine. Et les fuites à eau qui existaient au niveau de Guédiawaye faisaient sorte d'écran pour lutter contre l'embrun marin. Donc, nos politiques urbaines doivent être planifiées et réfléchies pour éviter de renforcer la paupérisation des ménages, parce que chaque année, ils seront obligés de faire des investissements dans leur maison. Il faut reboiser, il faut également développer des programmes avec les territoires. Je l'ai dit tout à l'heure, la planification, c'est un aspect très important. Donc, on va essayer de développer des programmes de villes vertes, de villes durables, un peu partout au Sénégal, mais également d'essayer de maximiser l'élaboration des plans d'urbanisme. Il n'y en a pas suffisamment. Au Sénégal, on a 10% de plans d'urbanisme, alors qu'il faut aménager, il faut planifier tout le pays. Donc, on va essayer de financer l'élaboration des plans d'urbanisme et on va essayer également d'encadrer les populations. Sur la question du financement, on l'a dit tout à l'heure, hein, je pense que je rejoins mon collègue de la coalition Diomaye, il faut financer la transition écologique par le pétrole. Le pétrole doit nous permettre de financer, mais également il faudrait qu'on mette en place des fonds qui vont venir de la taxe sur le ciment ou bien la taxe sur le pétrole pour financer. Le pétrole, c'est 600 milliards. C'est beaucoup déjà. Merci beaucoup. Oui, merci Madame la modératrice. Je vais essayer d'être bref pour soulager mes amis Keken et Diawen, parce que je pense que leur capacité d'écoute se réduit au fur et à mesure que le jour avance. Donc j'ai été interpellé. Malheureusement, je ne pourrai pas faire un point exhaustif sur le programme. Il va m'être difficile. Peut-être que dans d'autres cadres, nous pourrons échanger. J'avais sorti un certain nombre de points pour montrer la cohérence globale et pour pouvoir répondre à votre question. J'ai été interpellé sur quelle énergie, comment faire pour l'énergie solaire dans l'agriculture. Pour quelqu'un qui a un positionné dans les campagnes, c'est quelque chose qui est déjà réglé par ces acteurs économiques que nous sous-estimons, qui sont nos vaillants agriculteurs. La plupart des périmètres irrigués aujourd'hui font appel à l'énergie solaire pour une raison très simple. C'est une raison simplement économique. Quelqu'un avait donné tout à l'heure les coûts de production des kilowattheures entre la production d'électricité et le solaire. Malheureusement, le réseau électrique n'arrive pas partout. Si vous voulez alimenter une pompe avec généralement un groupe électrogène, votre coût du kilowattheure n'est plus de 70 ou de 112 francs, mais il varie entre 350 et 600 francs. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'aujourd'hui, l'effacement de votre consommation d'énergie, qui représente 60 à 70% du coût de production de ces denrées, cet effacement vous permet d'investir. Peut-être que, en termes de modèle économique, il s'agit de mettre en place quelque chose qui permet de financiariser cela. Et ce n'est pas très difficile. Parce que ces coûts sont des coûts qui sont possibles. Mon voisin me fait dire, j'ai moi-même installé plus de 4 MW de capacité solaire. Mon coût de production est inférieur à 20 francs. Je suis en train d'installer une centrale pour la mosquée de Tiawan. Mais bon, on s'éloigne. Donc, faire l'utilisation de l'énergie solaire dans l'agriculture, c'est quelque chose qui est déjà là. Nous n'allons pas inventer l'eau chaude. Pour la petite histoire, M. Baudian a parlé de l'ESP. C'est dans cette ample du savoir
qu'on a pour la première fois en Afrique de l'Ouest essayé l'utilisation de l'énergie solaire. Pour certains Dakarois qui s'en souviennent, il y avait une éolienne qui fonctionnait là-bas, on l'appelle le Sabonius. Bon, j'ai quelques cheveux blancs, c'est pourquoi je me rappelle de tout ça. La première société industrielle d'application de l'énergie solaire, le Sénégal a créé une société industrielle d'application de l'énergie solaire, qui s'appelait Silaes, qui était à la zone B. Donc c'est quelque chose de faisable. Quand je parlais tout à l'heure avec Emphase, c'était pour dire à mes jeunes collègues, mes jeunes neveux, que le développement est forcément endogène. Quelqu'un ne peut pas nous développer. On ne peut pas compter sur les accords de qui que ce soit pour développer ce Sénégal. Les équations à résoudre sont des équations sénégalaises et ils devront être résolus par vous et nous, par les Sénégalais. Pour le financement, pour terminer, il s'agit simplement, de mon point de vue, de faire de la rationalisation. Un exemple. Il n'y a pas longtemps, le Sénégal a dégagé 1 000 milliards pour les fonds force Covid. Bon, je ne connais plus de termes. 1 000 milliards sur un an. Nous n'avons pas demandé à la Banque mondiale ou au FMI son autorisation ni quoi que ce soit. Le président s'est réveillé, on a dégagé 1 000 milliards, même si bon, l'utilisation peut laisser à désirer. 1 000 milliards, ça permet d'aménager 100 000 hectares et de créer 1 million d'emplois. Je vous remercie. Mais je vais taquiner le professeur parce qu'il a une situation atténuante quand même, parce que le candidat de sa coalition a dit que le projet a été réalisé dans la précipitation. Peut-être c'est ce qui justifie un peu une faiblesse dans la revue documentaire, parce que le Sénégal a élaboré la stratégie nationale de promotion des emplois verts depuis 2015. Depuis 2015, nous avons une stratégie nationale de promotion des emplois verts. Ça a été exécuté de 2015 en 2019 et la stratégie a été évaluée et est en cours d'être actualisée. Deuxièmement, nous avons ce qu'on appelle un document d'orientation stratégique sur l'économie verte. Et nous avons déjà deux rapports exploratoires sur l'économie verte pour dire qu'en fait, ce n'est pas des questions nouvelles, c'est des questions où des mesures, des initiatives à travers des stratégies, des projets et programmes ont été développés depuis un certain moment. Et même sur le dispositif organisationnel des questions liées au changement climatique, j'ai vu Mme Aida Diong qui est là, qui est experte en changement climatique, qui est membre du GIEC, c'est le groupe intergouvernemental qui suit le climat. Mais le Sénégal, depuis 2003, par arrêté ministériel, nous avons le Comité national sur les changements climatiques qui regroupe toutes les structures, toutes les parties prenantes. Ce n'est pas seulement le ministère de l'Environnement. Nous avons là-bas la société civile, les secteurs privés, les collectivités territoriales. D'ailleurs, le président actuel du COMNAC est de la société civile, le président Libasba. Et ce n'est pas seulement l'environnement qui gère les questions d'environnement. Nous avons l'ANACIM, dont Mme Aida Diong est membre, qui est le point focal du GIEC. Ce n'est pas le ministère de l'Environnement. Nous avons le CSE, qui est l'entité nationale désignée pour la mise en œuvre du fonds d'adaptation et du fonds vers le climat. Pour dire qu'en fait, l'essentiel des propositions soulevées, c'est des questions non seulement déjà prise en compte dans le renforcement du programme du candidat Amadouba, mais qui sont déjà en cours d'exécution. Parlant de la question d'éducation, tout à l'heure, j'ai entendu, on nous dit, on propose d'intégrer l'environnement et le développement durable dans l'éducation. En 2008, dans la révision du curriculum de l'éducation de base, dans le sous-domaine éducation au développement durable, le développement durable est déjà pris en compte. Maintenant, on peut parler de renforcement, mais pas intégration, depuis 2008. Et de 2009 à 2012, dans les révisions des disciplines, donc aussi bien en sciences de la vie et de la terre, en physique, chimie et autres, ces questions ont été prises en compte. Mais mieux, on nous a proposé une stratégie d'intégration de ces questions changement climatique dans les systèmes éducatifs. Nous avons dans la salle le professeur consultant qui a réalisé la stratégie du Sénégal. Le Sénégal a réalisé la stratégie nationale d'intégration du changement climatique dans les systèmes d'éducation et de formation. Ce n'est pas seulement dans l'éducation. L'enseignement général, la formation professionnelle et l'enseignement supérieur. Le Sénégal est le premier pays qui a réalisé ça. Et ce document a été réalisé par le professeur Henri Mathiolo, qui est là, que je salue. Je pense qu'il a vu aussi Maslow. Donc, pour dire que, en fait, l'essentiel des propositions, c'est très pertinent, mais c'est déjà réalisé. Nous, on propose mieux. Ce qu'on propose, c'est la mise en œuvre de cette stratégie, parce que la stratégie existe déjà. Donc, dans le programme en paix
vers la prospective partagée, c'est qu'il faut aller vers la mise en œuvre de cette stratégie. Un, et ça, cela a commencé avec la révision des curricula au niveau du ministère de l'Éducation nationale, mais aussi au niveau de la formation professionnelle. Deuxièmement, nous proposons aussi, par rapport à la question soulevée sur les 50% envisagés pour réduire un peu l'horizon, le président Amadou Ba a dit qu'il faut qu'on fasse plus vite et mieux. C'est pourquoi l'horizon dans le PSE de départ, c'était 2035 pour le rendez-vous de l'émergence. Mais dans le programme en paix vers la prospérité partagée, l'horizon c'est 2029. C'est pourquoi donc l'horizon de réduction, d'aller à 50% de production mix énergétique, donc c'est l'horizon maintenant c'est 2035. Parce que nous avons les moyens et les capacités et les ressources que nous avons tout à l'heure, ma collègue l'a dit, le gaz et nos ressources de transition pour nous permettre d'aller vers une transition écologique. Parce que c'est un processus. On ne peut pas y aller tout de suite directement parce que nous avons des ressources, mais les ressources que nous avons, il faut qu'on les exploite. Mais aussi, il faut qu'on les exploite dans une perspective déjà tracée qu'il faudra renforcer et nous sommes capables d'aller à 50% de production de mix en 2035. La formation des jeunes, c'est vous rappeler à notre programme sur le pilier 1 qui est le développement du capital humain. Et une des stratégies, c'est la transformation de la formation professionnelle. Et ça, c'est important pour les jeunes. Pardon, on n'est pas nihiliste. Hein. La stratégie des ISEP est une excellente stratégie. Mais nous pensons qu'elle peut être approfondie et orientée vers ce qu'on appelle aujourd'hui les métiers durables. C'est-à-dire donner un sens à ce qu'on appelle réellement l'emploi vert, celui des jeunes. Vous ne pouvez pas avoir un pays où 75% fait moins de 35 ans, ou plus de la moitié ont moins de 19 ans, et que vous n'avez pas de stratégie pour pouvoir les orienter vers aujourd'hui ce créneau-là, cette niche-là, qui aujourd'hui est une réalité. Et nous, ce que nous proposons, c'est que définitivement, il faudrait qu'on oriente la formation des jeunes vers ces emplois verts-là, mais en même temps, faire le lien pour rester cohérent avec notre politique sur ce qu'on a dit par rapport aux mesures incitatives, c'est-à-dire qu'on ne peut pas développer ce secteur sans pourtant impliquer le secteur privé. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé du coût de production, c'est important. Mais si dans le coût de production, sur les intrants, on enlevait la charge fiscale, on verrait que le coût de production serait moindre. À cela, rajouter à une main-d'œuvre qualifiée et à bon marché, c'est-à-dire des jeunes bien formés, on peut arriver à un coût de production qui soit compétitif. Et je pense que tout cela maintenant résulte d'une question fondamentale qui est pour moi importante et qui est essentielle, c'est la question de la volonté politique. Et je pense que c'est aujourd'hui, c'est ce qui nous manque et c'est ce que propose le candidat Ali Mouhamadou Dia. Merci. Merci beaucoup. Merci Yacine. Ça va être très difficile de clore ce débat. En tout cas, ce qui nous anime, nous, en tant que Natural Justice, c'est un sentiment de gratitude. Merci d'avoir consacré cet après-midi à répondre à notre invitation en collaboration avec le CESTI, mais également à parler en profondeur, et pas comme des politiciens, vous avez parlé de programmes, comme des scientifiques que vous êtes. Nous avons discuté, nous avons appris beaucoup de choses et nous espérons aussi que ce n'est que le début. Cette année, ça a été assez court, mais nous nous donnons l'objectif d'accompagner la population sénégalaise, les communautés sénégalaises à pouvoir faire les bons choix. Et quand on dit les bons choix, c'est des choix basés sur les contenus des programmes, mais également des choix éclairés en connaissance de cause. Parce que comme l'a dit au début Yacine, nous sommes une organisation qui travaille aux côtés des communautés, mais à les aider pour comprendre leurs droits, pouvoir utiliser ces droits, mais également pouvoir être au cœur des réformes. Merci vraiment à vous tous. Rentrez bien, tout en sachant qu'au final, c'est le Sénégal qui gagne, parce qu'il n'y a pas un blanc ici autour de la table. Que le meilleur gagne et qu'Allah nous donne des élections apaisées. Inch'Allah.